Donc alors ici, on est sur un système d'élevage très très particulier et qui vient d'apparaître. On est à Lubao, dans la province de Pampanga, et devant nous, l'étang qui est devant nous est alimenté en eau par la marée. C'est donc un étang d'eau saumâtre, mais peu saumâtre. Traditionnellement, ces étangs étaient utilisés pour l'élevage de chanos et l'élevage de crevettes. Il y a quelques années, comme la salinité est faible, même en saison sèche dans ces étangs, les fermiers sont passés à l'élevage du tilapia monospécifique, donc en monoculture, qui est très intensif, avec des densités très très élevées, et une alimentation exactement comme ce qu'on vient de voir près de Florida Bianca. Mais à une échelle, à une taille d'étang qui est considérable, parce qu'un étang comme celui-ci doit faire environ pas moins de 10 hectares. Et c'est en fait l'émergence de ce système dans des étangs véritablement immenses pour ce type de système d'élevage qui fait qu'il peut être très difficile pour les petits éleveurs d'être concurrentiels sur les marchés. Quand un étang comme celui-ci est vidé ou pêché, les quantités de tilapia qui sont produites sont évidemment absolument considérables. Donc c'est très intéressant, on est ici en eau saumâtre, peu saumâtre, et en fait de tilapia monospécifique, et c'est un tilapia d'eau douce qui est élevé. Par rapport à ce qu'on a vu à Binmalay, la densité est beaucoup plus élevée ici ? Beaucoup plus élevée. Donc c'est uniquement du tilapia, c'est monoculture, il n'y a pas de crevettes, parfois ils ajoutent de la vanamei. Mais c'est une monoculture de tilapia avec des densités de l'ordre de 4, 5, 6 poissons au mètre carré et du nourrissage avec un aliment à haute teneur protéique. Mais à l'origine, ces étangs étaient utilisés comme à Binmalay pour produire du chanos et de la crevette. Maintenant, ils produisent du tilapia et de la crevette. Mais c'est aussi l'illustration de l'extraordinaire adaptabilité des fermiers. C'est-à-dire qu'ils vont changer, ils ont tout d'un coup décidé que le tilapia, avec éventuellement de la crevette, leur rapporterait plus que le chanos et la crevette, qui est le système de culture traditionnel. Et à l'échelle du temps, ça se fait en combien ce changement ? À l'échelle du temps, en moins de 5 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a 4 ans, il n'y avait pas de production de tilapia associée à la crevette ici. Donc voilà un étang de 15 à 20 hectares peut-être, 15 hectares, c'est difficile à évaluer, et où on élève des tilapias en monoculture ou avec des crevettes vanamei, et une pirogue chargée jusqu'à la gueule d'aliments nourrit les tilapias sur toute la surface de l'étang, à la pelle. La pirogue, quand elle est entrée dans l'étang, est à la limite de couler tant elle est chargée d'aliments. Et la densité de tilapia est de 4 à 6 poissons au mètre carré, donc c'est assez considérable, ce qui laisse imaginer ce que peut être le potentiel de production d'un étang de cette taille.
Bon, donc nous sommes sur la ferme de 101. C'est une ferme de 100 hectares qui appartient à Josuna et qui est une ferme extensive en eau sauvage. Cette ferme est particulièrement chère au cœur du Sirat pour deux raisons. Tout d'abord, on a rencontré le propriétaire de la ferme, Josuna, dit Pot Pot, en 2000. Et dès l'an 2000, il était un des seuls fermiers de la région à s'intéresser à l'utilisation du tilapia en eau saumâtre. C'est une des raisons pour laquelle on est resté attaché à sa ferme et que autour de cette ferme, ou de ses fermes et de ses consignations, on a organisé un certain nombre de projets. Et donc, à l'origine de nos relations avec Josuna, il y a cet intérêt considérable qu'il avait pour l'utilisation du tilapia. Et cet intérêt a fait souche puisque, un, il a construit lui-même une écloserie pour produire du tilapia molobicus, et deux, sur ses propres fermes et dans toute la région maintenant, le tilapia dans des grands étangs d'eau saumâtre a pris une importance considérable sur la commune de Sassouane. For you, you the one caretaker here, how many hectares you are for your own? Okay, I 26 hectares. No, I will ask you a few questions. I can see, we can see that you just harvested one of the ponds, and what sort of species are you, what sort of species are you producing in that pond you just drained? Tiger prawn, crabs, and tilapia only. And tilapia only. But you're also telling me that the salinity now is rising because we are already well into the dry season. So will you continue, when you restock that particular pond, will you continue with tilapia or use a different species? There are some, there are a few tilapia will die, but they are planning to put bangus in this season. This season, yeah. For the next cycle, they will put bangus instead of tilapia. So I have one more question. In the way the fish farm is managed today, with fish, shrimp, two different sort of shrimp, and crab, where is the main profit coming from? Good profit from the banami, according to Eddie. Banami is the best. Banami is the best. Then number two. Mga dua, tiger prawn. Number two, tiger prawn. Number three. Mga tlubo. Tilapia. 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 The question is more, all in all, at the end of the year, mm-hmm. at the end of a whole year, do they produce more fish or more shrimp or more crustacean? Tilapia and tiger prawn. Yes. 60 coolers per harvest then times. 60 cooler. Multiply by 4. 60 cooler, very big. It's more than 25 tons. More than 25 tons? Pero paano may bisa magitinan? Meron pong harvest. From the banami, one, sometimes more than 100 coolers for one cycle. For the whole 101? Yeah, for the whole 101. Per kilo, 600 per kilo. Yes, the big one. Pumaragol dito.
600 kilos pour le kilo de crevettes. And how much for the vanamei? Vanamei, I'm going to 320. Les vanamei posent moins de problèmes, elles survivent beaucoup mieux, mais elles coûtent elles se vendent à 320 pesos le kilo. Donc les tiger prawns, comme tu as dit, pour 10% de survie, c'est jackpot, mais elles se vendent à 600 pesos le kilo. Thank you very much, Teddy. Thank you.